Ben Sylvie, l'ami, comment ça va? Ça va très bien, Bien, merci. ça se passe comment avec Sidra? Ça va, ça se passe super bien. Allez, on en parle ce matin, c'est un plaisir. Madame Dami, c'est là. Bonjour. Ça va? Ça va très bien, Bien? merci. À échec. J'adore la coupe. Un peu Ouais, Moby, hein? oui. Vous écoutez souvent? Oui. Souvent Moby? Souvent, souvent. Eh, je vois ça. Faut pas copier, faut innover, comme disait Exact. le beau boss. Mais bon. C'est un pote. Il a pas trop le choix. Il a pas trop le Non. choix. Ah, bien sûr, Exactement, c'est ça ça. tombe bien, on va parler un peu de votre association Sidra. Alors Sidra, d'abord, on se rappelle cette opération ballon que vous deviez distribuer. Pour la petite anecdote, je vous la raconte ou pas? Je la raconte alors que je vous l'avais pas raconté. Un jour, je reçois un mail me demandant les ballons en urgence. Je sais pas si bonjour Mahrez, je te rappelle que le client les demande. Je te rappelle que nous devons les distribuer. Je te rappelle que. Sauf qu'il s'était trempé de Mahrez. Et je disais, mais jamais pris de ballon. Je sais même pas comment ça fonctionne. Il dit, je te jure. Non, je vous jure que ça s'est passé Mais comme tu ça. sais pourquoi le chargé logistique, il s'appelle Mahrez de l'entreprise qui parraine le projet. C'est D'accord. ça la Et c'est lui qui a réponse. fait courir le Voilà, pauvre. Hein. exactement. C'est grave. Eh, Mahrez, moi, je vole pas les gens, je suis pas en retard. Je veux dire. Fais un peu pareil, vole pas et ne sois pas en retard. Après, tu fais ce que tu veux avec les femmes, avec les familles, avec les trucs, tu bouges. Non, mais il est très gentil. Il nous a permis justement de distribuer 25 000 ballons à travers tout le territoire national et on Oh, le les gens salue. vont Non, mais rire pendant merci. des mois et des mois, surtout. Mais l'Algérien, quand il fait un événement, c'est chaotique du début jusqu'à la fin. Il finit par le faire, c'est très bien et on oublie tout, on efface tout le reste. C'est vrai. Hein. Je sais pas si vous avez remarqué Ouais, ça. exact. On est bon, dans la satisfaction d'avoir fini, bah, c'est fini. Allez, bien, l'opération des ballons, donc 25 000 hein, distribués. Oui. Super, super Un opération. peu Vous avez partout. touché quelle région? Nous, on a touché le sud. Ouais. On a touché la région centre, donc Ouais. Alger et tous ses environs. D'accord. Et vous enchaînez. Vous avez une Exact. vie en parallèle ou pas? À part l'association Sidra, Philali. Oui, en fait, on court un peu partout pour pouvoir allier la vie personnelle, professionnelle et la vie associative. C'est Ah, pas t'as tout une le vie temps facile. personnelle, toi. Tu nous as pris vraiment pour des candidats, quoi. Il ment dans ton WeChat, tu vois. C'est une vie personnelle, hein. 23 heures à l'association, 1 heure de dodo. Et puis... Non, mais sérieusement, vous avez une vie personnelle? Mais Ouais. bien sûr, Vous faites quoi dans la vie? je travaille pour l'UNESCO. Pour l'UNESCO. Ouais. Super. Et je suis un ingénieur réseau sécuritaire Algérie Télécom. Donc on essaye de faire la part des choses entre le professionnel et le mouvement associatif. J'ai payé 4 mégas, on m'a donné 2 mégas, pourquoi? C'est toujours la même question qu'on me Non, mais pose. C'est sérieusement, toujours comme ça, alors. tout le monde a basculé à 4 mégas, je suis encore à 2 mégas. Mais sinon, quoique je salue les gens d'Algérie Télécom, je vous le dis, hein, parce qu'une fois j'ai dit quelque chose, le lendemain j'avais toute Algérie Télécom chez moi. Voilà. Limite, c'était en m'arrivant en me disant, tiens, je lave le visage, je lave le corps. Non, mais je vais Ça, saluer. c'est bien, hein, Non, non, quand même. non, c'est pas ça, mais moi je voudrais vraiment saluer ce que fait Algérie Télécom, ce que fait Air Algérie, ce que font toutes les entreprises publiques, ce que fait La Poste aussi. Bon, on est un peu. Non, oui, ce que fait La Poste aussi. Un peu moins un autre opérateur, mais je ne le dirai pas. Mais les trois que je viens de citer, Algérie Télécom, La Poste et bien sûr. Et qui? Et l'autre Non, opérateur. L'autre non, opérateur, non, qu'on s'en Algérie parle. Télécom, La Poste et voilà. Et Arrangerie. Algérie, on va les Arrangerie. saluer parce qu'on a tendance à leur tomber dessus tout le temps. Pourtant, c'est nous tous, c'est notre famille. Voilà, bah, c'est très bien. Vous, donc vous êtes à l'UNESCO, vous êtes chez Chef. l'opérateur, fixe. Fixe, voilà, bah, c'est dit. Et en parallèle, vous avez votre association. Et cette association va lancer la première édition en Algérie de l'événement international. Earth Hour. Did we say this like this? Est-ce qu'on dit ça comme ça, c'est vrai? Oui, en fait, ça se prononce presque comme en français, c'est Earth Hour. Ça D'accord. va, c'est C'est pas quoi très le compliqué. concept? Donc, le concept, il est simple. Donc, on a 1 heure pour éteindre les lumières et les appareils électriques. Donc, on a depuis 20h30 jusqu'à 21h30 afin qu'on puisse sensibiliser les gens pour plus d'économies d'énergie et surtout. Voilà, la bonne utilisation des énergies électriques. Vous avez. C'est quoi? C'est une opération qui existe partout dans le monde? Dans plusieurs pays plutôt? Oui, en fait, c'est une opération qui a été lancée en 2007 en Ouais. Australie. C'est l'initiative de l'ONG WWF. Donc, pour ceux D'accord. qui ne connaissent pas, c'est un peu la plus grosse ONG ONG. qui travaille pour l'environnement dans le monde.
Et depuis 2007, ça se développe à travers le monde jusqu'à l'année passée, en 2014, il y a eu 162 pays qui ont participé. Qui ont éteint les lumières au même moment. Voilà, au même moment, le dernier samedi du mois de mars. Oui. Et donc, nous, on Donc, avait. aujourd'hui, quoi. Oui, Exactement. c'est aujourd'hui. Et les préparatifs, ils ont commencé à l'esplanade de Riyad Est-ce qu'on doit éteindre nos téléphones portables aussi? Et terrible. Je l'ai essayé. Non, mais c'est vrai, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on éteint? On Non, éteint. non, pas du tout. En fait, le principe, déjà, c'est que l'Algérie participe. J'avais dit que l'année passée, c'était 162 pays. On a contacté pendant l'année Earth Hour Month. Ça fait quelques semaines. Et en fait, on avait dit, pourquoi vous ne faites pas ça en Algérie? Ils nous ont dit, est-ce que vous voulez faire ça et représenter Earth Hour? On a dit oui, nous, ça nous intéresse et la cause nous Et intéresse. vous en dites payez, allez, paye. Non, non, pas Non, du tout, pas pas du du tout. tout. Pas C'est du tout. Non. pas Et payant. vos références et tout? Et pardon? Et vous êtes référencé Oui, après? bien sûr. En fait, D'accord. là, sur le site Point. earthhour.org, maintenant, l'Algérie existe dans les pays. Avant, en fait, il y avait Albanie, Argentine, Albanie, tu voilà, passes, ouais. et ça passe. Maintenant, il y a la page Algérie D'accord. et qui justement parle de l'événement. On parlera de l'événement en Algérie, il va diffuser les photos de l'événement en Algérie. Super ça. Et sur le contenu, en fait, ce n'est pas d'éteindre tout. Toutes les lumières, parce que l'électricité, on en a besoin. Ça ne va pas changer, mais justement de réduire cette consommation d'électricité, d'éteindre ce qui n'est pas nécessaire, puisque cette énergie, en fait, elle n'est pas illimitée. Ouais. C'est en économisant cette énergie, qu'on pourra avoir un développement durable. Vous allez allumer un feu de camp à Riyad El Fedr? Oui, bon, en quelque sorte, Spécial, pas enfin, spécialement, parce qu'on va venir. Hein. pas un feu, mais il y aura un jeu de lumière avec des montgolfières qui vont, Ah, c'est super ça. voilà, avec un jeu de bougies. Il y aura une fresque qui sera mise avec des bougies. Ouais. C'est le signe de l'événement, c'est plus 60. Plus 60. Voilà. Pourquoi plus 60? Alors, le 60, c'est pour l'heure, donc 8 hours, une heure pour la Ah, l'heure de planète. plus. Voilà. Et le plus, c'est le plus qu'on va rajouter à la planète, puisque c'est un événement qui en fait, qui fait appel à la mobilisation de millions de personnes à travers le monde. C'est 7000 villes qui vont participer, en commençant de la Nouvelle-Zélande, du Japon, et arrivant en toute l'Asie, l'Europe, l'Afrique, jusqu'à l'Amérique, de 20h30 à 21h30, à travers tous ces pays. Et en fait, chaque pays va faire cette économie d'énergie et va organiser des événements Ouais. pour justement célébrer Dans cette le heure pour la noir. planète. Dans le noir. Ouais, cache-cache, quoi. Et Non, qu'on soit bien d'accord, je rigole, mais c'est juste histoire de rendre le sujet bien sûr. un peu plus drôle. Mais sinon, effectivement, bravo pour ce que vous faites, hein, parce que Merci. j'imagine bien que ça doit être une organisation de dingue. Faut dire que ça va se passer à l'aide de fête au niveau de l'esplanade ou pas? Oui, ça sera au niveau de Esplanade. l'esplanade, oui. Oh, classe. Ah, classe. Il y a l'ORAF aussi qui a vraiment joué le jeu. Ouais. Et ils n'ont pas hésité à dire oui. Ah, vous êtes tombé Donc, avec Guenna. Guenna, oui, il est voilà. bien, Il Guenna. est, d'ailleurs, on le salue, il est excellent. Ah, parce que c'est un gars de la jeunesse avant de. Oui, Voilà. c'est un ancien de la jeunesse. Il nous a vraiment ouvert toutes les portes et il a dit oui, nous, on va soutenir cet événement puisque cet événement est pour la bonne cause, mais aussi on va soutenir la jeunesse algérienne puisque c'est une initiative, certes, qui est mondiale, mais qui vient aussi de Ouais. jeunes Algériens et de justement sensibiliser ces jeunes, que ces jeunes soient impliqués dans le domaine associatif. Ouais. Et ça a très bien marché avec l'ORF. Alors, la participation de la mairie de. Enfin, l'APC de Blouse-Den? Aussi, C'est sûr. toujours sur toutes les activités de Sidra, l'appui institutionnel de l'APC Mohamed Belouizdad, mais aussi l'appui logistique, puisque Exact. tout ce qui va être fait, ça sera avec l'appui de l'APC, les chapiteaux, les Qui sont fresques, dressés. la chorégraphie 60 plus avec les bougies, tout ça, c'est l'appui logistique De de l'APC Mohamed Mohamed Belouizdad. Toi, Oui. toute ta vie, tu resteras technicien. Je te le dis. D'accord. Parce que toi, t'es pas lui. Bien sûr. Alors toi, t'as pas mis Algérie Télécom en haut.
Lui, il a mis son UNESCO, tu vois. Exactement. Sidra, UNESCO, tu vois, et tap, tap, tap. Bientôt, tu verras avec Ban Ki-moon comme ça. Viens, mon pote, viens. Inch'Allah. Quand j'ai vu. Mais tu sais pourquoi on a mis Mahrez? Non, mais c'est parce que vrai. Sidra est labellisé par je l'UNESCO. Que tu réponds. Bah oui, réponds. Vas-y, dis-moi pourquoi. Ah, parce que Sidra est labellisé par l'UNESCO depuis 2013. 13. Et c'est pour les actions d'éducation, pour le projet d'ailleurs que tu connais, Mahrez, pour les enfants du désert. Ah oui. Et c'est pour ça qu'on a eu le label UNESCO et qu'on porte maintenant le logo de l'UNESCO avec le logo de Sidra. Bravo. Franchement, bravo. Ouais, super. Bah, t'as eu la bonne réponse. C'est bien. Alors, Sidra, UNESCO, Riyad El Fateh. Oh, salut, Egna. J'embrasse très fort parce que j'aime beaucoup, moi, ce monsieur. Je te jure. Je le dis. Hein. Et pourtant, je suis pas chiette. Je suis loin de l'être et je ne le serai jamais. Mais quand c'est des gens qui font des choses bien, bah, je les salue, moi. Voilà. Baladi, Blue Pas WWF avec le panda. Panda d'Australie, s'il vous plaît. Non, c'est un panda d'où? C'est un panda, tout. C'est un panda, tout. On n'a pas de nationalité. Puis, c'est pas. C'est la mascotte officielle de l'événement Earth Hour. Earth Hour. Ah, vous attendez combien de personnes ce soir? Et quelles vont être les activités? Alors, on attend des participants Ouais. qui se sont inscrits sur Internet, puisqu'on a ouvert l'événement aux jeunes. Ouais, Et c'est bah, marrant. pas forcément aux jeunes, à tout le monde, pour Oui. ceux qui veulent s'inscrire. Et c'est ouvert à 200 personnes. Ouais. Et qui vont être présents et qui vont participer dans les activités artistiques et les activités de chorégraphie. Et Oui. aussi, ça va être aussi ouvert à d'autres personnes qui vont venir voir ce qui se passe, l'extinction des feux pendant l'heure de Earth Hour. Et aussi, justement, d'avoir des informations sur cet événement, qui l'organise, pourquoi et comment ils peuvent justement participer. À sensibiliser et eux aussi à contribuer à la préservation de l'environnement. Alors, on vous salue déjà. Hein. Tiens, vous avez eu une réaction sur Twitter, sur le hashtag la matinale des aides ou sur Mahrez Rabia tout court. Alors, bonjour, bonne continuation pour Sidra. Ah, c'est gentil ça. Merci. Ça peine la cime. Hein. Ça vous touche hein, quand ça vient d'Internet et quand ça vient de quelqu'un qui vous le dit en face, vous n'en avez rien à fiche. Ah, c'est des Non, gars au comme toi, j'en contraire. vois tous les jours. Non, mais, allez, ce soir. 20h30 jusqu'à 21h30, on va essayer de baisser notre consommation d'énergie. Vous serez à l'esplanade de l'Élysée fête à partir de. De 18h. Et les activités commencent à partir de. 19h. 19h. Inch'Allah. Il y a quelque chose à manger ou pas? Non, on n'a pas prévu. Non, on n'a pas prévu de manger. Mais il y aura des. Mais si les gens qui viennent veulent Moi, je me ramener des suis dit des choses. petites tartines, je sais pas, moi, c'est juste pour les petites, les coupes. Je l'obèse, tu vois. Ramène ton gâteau aussi, bon. D'accord, donc il n'y a rien. Rien de prévu. Bon, c'est pas grave. Pour manger, non, on avait déjà fait dans des actions comme ça. En fait, il y a tellement de Stresse pas, demandes. c'est pas obligatoire, t'inquiète. Ouais. Stresse pas. La prochaine fois, appelle-moi, je te ramènerai un sponsor chips. Je connais tous. Chips. Vas-y, Lamine, note, note. D'accord, Ouais. c'est noté. Il l'a dit en En antenne. direct, en plus. Et ouais, je citerai pas qui c'est, mais je vous jure qu'il m'est arrivé de régler des coûts comme ça, des associations et tout. Il y en a une qui refaisait un service pédiatrique, je dirais pas, mais on les a aidés à avoir du mobilier. Enfin, quand tu peux faire, tu le fais. Hein. T'es pas obligé juste de mettre ton nom. Et ça, Ça, c'est c'est pour censé toi. être la surprise à la fin et tout. J'ai Ouais. grossi un peu Je parce que sais, la t'es dernière fois, elle l'a pas impatient. elle. Moi, je vous connais pas encore. Si, j'ai vu le nouveau Mahrez. Allah ybarak, Allah Allah ybarak, Allah ybarak. ybarak. Allez. Là, je suis en train de faire rentrer le ventre. Hein. Je suis à 86 kilos, là, j'ai Rien du mal à à dire. bosser. Là, je suis à 100, tu vois, je suis en train de te faire le corps parfait. Comme dirait mon père, il y a ceux qui font un A, un V plutôt, et il y a mon fils qui fait un A. Son corps va comme ça. Mais c'est pas faux. Hein. Ça, c'est votre pull, c'est ça? Voilà, c'est le t-shirt J'aime bien officiel de l'événement. le tissu en tout cas. Hein. Ah, j'aime beaucoup. Je vais m'habiller un peu comme un Akhena avec un double pull, mais c'est pas grave. En fait, tous les participants porteront ce pull ce soir. Donc, tu veux Et dire que si c'est. je viens, je. Ouais, Ah, il est bien en tu viens plus. avec plaisir assister avec nous et Ouais, participer. j'aurais pas repassé une chemise demain. Je viendrais direct à la télé. Petite veste dessus. Voilà, il te va très bien. J'ai une qualité. J'ai acheté chez qui? C'est le gars qui fait son business en direct. Non, c'est vrai. Oh, moi, j'aime beaucoup. Pour la première fois de tout ce que j'ai essayé de porter, c'est la première fois que. Et par rapport à la chose qu'on t'a fait porter la dernière fois, ça va quoi. C'était le truc La de tel mascotte? parkinger. Non, non, pas la mascotte. Tel parkinger Je orange. vais te dire, Tel footbank. Ta footbank. un jour, je vais vous envoyer la photo de chez moi.
J'ai déjà deux gilets de football. Un au bureau, je vous jure, un au bureau et un chez moi. Et un à la maison, à la maison. Mais à chaque fois que je reçois quelqu'un, il me dit, oui, ça va, tranquille, ça fait pas de souvent. Tu vois, c'est Astrud maintenant. Non, mais sérieusement, cette année, si vous faites votre football, moi j'aimerais bien. Oui, on le fait, oui, bien on sûr. Le fait, bien j'aimerais sûr. Bien venir parce que je suis détesté par toute la. Par tous ceux qui se prennent pour des chichis, genre fils à papa bien entretenu. Mais par contre, je suis bien apprécié par les gens comme vous tous, comme nous tous, comme ceux qui regardent vraiment la télé et qui se prennent pas pour des Parisiens nés à Alger. Bah du coup, je vous jure que je vous aiderai. Je vous aiderai. Ah, moi, avec grand plaisir. Moi, c'est madame, tu donnes. Madame, tu parles pas, tu donnes. Madame, si tu donnes pas, moi, pas manger, moi, pas rentrer chez moi. En tout cas, je vous souhaite bonne chance. Rapport ce soir, l'événement. Il y a un site internet pour Sidra ou pas? Oui, c'est www.sidra.dz. Ah, on préfère Facebook, alors c'est quoi la page? C'est Association Sidra. Ouais. Mais en tout cas, le site internet mène directement vers la page dans la Facebook. Page Facebook. Donc, vous avez fait une orientation? Oui. Oui. Ah, la classe. J'aime ça. Allez, très bien. C'est ça, Sidra. Earth Hour, c'est ce soir de 20h30 à 21h30. Vous l'aurez compris, le concept est très simple. Plus sérieusement, vous baissez un peu, vous consommez moins d'énergie. Et c'est histoire de devenir le 163e pays à participer à cet événement. Il y avait l'Albanie, il y avait l'Allemagne, et maintenant il y a l'Algérie au milieu. Et ça, c'est très bien. Et on vous souhaite bonne chance. Hein. Merci beaucoup, Mahrez. Et à bientôt. À bientôt, Inch'Allah. Tu salueras Ben Kimou. D'accord, c'est ça lui, l'UNESCO, ou c'est quelqu'un d'autre? Non, non, c'est Irina Bokova. Et elle va être à Alger en mois d'avril. Tu salueras Irina. Ok, je vais le dire à Mahrez, et moi, il te fait un coucou. Tu salueras ton PDG. D'accord. Avec respect. Avec... Hein. Bien sûr. Je n'aurai pas le même sourire, tu vois. Allez, quand.